Appelez tous ceux qui ont pris des rendez-vous ici au Cameroun. Vous leur dites, vous hésitez de caler le rendez-vous avec eux. À partir de 14h, je vais recevoir. Il n'y a pas de souci. Dès que tu trouves les coûts pour l'école, oui. Donc les deux orphelinats aussi, vous avez été hier. Pour chaque orphelinat qu'on visite, j'ai demandé que tous les représentants qui y vont, qu'on sache exactement le coût des pensions. Comme ça, on va participer pour chaque orphelinat. Donc lundi, ton travail principal aussi, ce sera de parcourir ce que vous avez là-bas à Bafoussam, et puis tu fais un rapport. Et puis si c'est bon, maximum après-midi, tu repars pour faire les paiements dans les écoles. Voilà. Bonjour à tout le monde. Cynthia, je pense que vous me connaissez déjà quand même depuis un bout pour savoir qu'on agit. L'action pour moi est très importante. Je sais qu'avant, vous étiez habitué à toujours considérer la spiritualité comme le hasard. Miss Posso! J'espère que la connexion va bien, va marcher aujourd'hui correctement. Entre. Rendez-moi la télécommande là, je veux le briquet aussi en même temps. Merci, c'est un briquet. Donc, nous allons dans les orphelinats. On a commencé hier. Donc, on ne fait pas juste les dons en nourriture. La cagnotte est à. Hier, on était à 2,5 millions. Donc, ce que vous avez vu comme objet physique qu'on a mis là, c'était même pas. C'était rien par rapport à ce qu'on a cotisé. Maintenant, les orphelins ont généralement. Quand la rentrée scolaire arrive comme ça, les orphelinats ont beaucoup de problèmes de pension. Et ce problème de pension, parce que les gens, généralement, ils viennent donner la nourriture, mais vous savez que si on a 25 enfants dans un orphelinat qu'on veut scolariser et vous donnez seulement à manger, certes, la nourriture, c'est bien, mais. Je milite vraiment pour qu'on s'occupe des besoins primaires qui sont premièrement l'éducation.
Premièrement, l'éducation. Donc, ce qu'on a fait, c'est quoi? À part les dons matériels qu'on a donnés dans les orphelinats, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rentrer en contact avec les écoles. On voudrait faire le dépôt financier dans l'école directement. J'espère que vous comprenez. Donc, si on vient dans un orphelinat et ils nous disent que bon, on a 10 enfants. Et supposons comme ça, au pif, leur appréhension sera par enfant peut-être 20 000. Ce qui fait qu'il faut 200 000. Donc, nous, on va aller à l'école, on va choisir. Et que nous, on veut participer 100 000 pour cette. Parce qu'il y a plusieurs orphelinats dont on. Je ne veux pas subventionner seulement un orphelinat. Donc, l'argent que vous êtes en train d'envoyer pour participer, ce qu'on fait, c'est quoi? On divise donc, on voit en fonction du nombre d'orphelinats. Supposons votre cagnotte à l'école, c'est 200 000. Donc on va, et puis on se dit, sur ces 10 enfants, 6, ça fera 100 000. Donc on va payer la pension de 6 enfants. Vous suivez maintenant, non? Voilà. Donc on va payer la pension de ces 6 enfants, on va donner le reçu, et puis pour nous, ce sera fait. Parce que je veux éviter. Allume l'encens, s'il te plaît. Oh Dieu. Mbolo. Aquaba. Donne-moi une note ici. Merci. On a le briquet. Vous savez, quand quelqu'un voit l'argent, il peut oublier ses valeurs ou ses mœurs, s'il n'est pas fort de caractère. C'est pour ça que le fait qu'on se rende dans les orphelinats et que on ait opté pour l'option d'aller directement à l'école payée, c'est pour éviter les tentations. Qui vont faire peut-être que le dirigeant se retrouve avec, on lui donne l'argent et puis il va faire autre chose avec. Parce que quand on arrive, on voit les besoins. Ils ont compartimenté les besoins. Beaucoup d'orphelinats ont besoin de matériel de construction. Beaucoup sont en construction, beaucoup d'orphelinats. Donc si vous avez le ciment, les cahiers, livres non. J'aurais dit même peut-être livres de lecture, des beaux livres là. Mais vraiment plus les cahiers, bic, matériel vous connaissez, non, le matériel pour écrire. Voilà, beaucoup sont en construction. Dans les sacs de ciment, sable, tu as construit peut-être ta maison, tu as des carreaux en excès. Ça, c'est des choses qui peuvent aider les orphelinats. Voilà. J'enseigne sur ma page les principes spirituels qui vont vous permettre d'avoir du succès. Vous avez été habitué à ce qu'on vous enseigne seulement que Dieu va te donner, Dieu va te donner. Mais on ne t'a pas montré comment donner pour que Dieu te donne. Parce que dans le monde spirituel, tout fonctionne comme une semence. Tu dois semer pour récolter demain. Tu sèmes, tu attends. Seed, time, harvest. Si les personnes là peuvent venir pour faire un lavage physique à Douala aujourd'hui en après-midi, c'est bon. Parce que demain, avec l'événement qu'on aura, je ne veux pas saturer mon emploi de temps demain. Si vous avez écrit sur WhatsApp, on va vous répondre.
Donc, je suis à Douala actuellement. On va faire des lavages cet après-midi et demain. Demain aussi, je vais faire. Donc, aujourd'hui aussi, ceux qui ont. J'ai commencé à travailler sur vous et il y avait des sacrifices d'animaux à faire. Ça se fera aujourd'hui. Voilà, donc, assurez-vous que si vous avez demandé qu'on fasse un travail supplémentaire sur vous, assurez-vous d'être dans la liste. TikTok, je ne suis pas ici pour répondre à vos questions. Elle vous connaît. J'ai fait une vidéo que j'ai mise sur TikTok ce matin pour vous montrer les rituels du début de mois. Et je suis consciente que, même jusqu'à présent, il y a toujours de nouvelles personnes qui tombent sur ma page. C'est-à-dire, c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle dit? De quoi elle parle? Première chose, c'est le lavage au sel. Tu dois te laver avec du sel. Je suis le premier avocat défenseur du lavage au sel. Voilà. Deuxième chose, paye ta dîme. Voilà les choses qui vont te permettre de réussir. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Ça peut être l'argent peut-être que ton chéri te donne. Ça peut être l'argent, je ne sais pas. Bonjour, les lavages seront faits, madame. Oui. Cette dame en particulier, il y a une protection de relation qu'elle veut faire. Donc, je t'en prie, pour les personnes sur qui je vais travailler aujourd'hui, précise. Ok, précise sur sa photo et son mari pour protéger leur relation. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait tellement de travail spirituel depuis 2-3 semaines. Ou encore 2-3 mois, ce qui fait que vous paraissez épuisé. Vous paraissez épuisé. Parfois, quand l'énergie négative est en train de partir, when it's checking out, vous vous retrouvez avec une grande fatigue sur vous. Et la fatigue n'est pas négative. Certains vont vouloir abandonner. Si tu finis avec le kit fondation, il faut que tu continues d'utiliser le sel qui est dans le kit. Et quand ça finit, tu reprends un autre sel encore. Si tu as commencé à te laver avec le sel béni, tu ne peux pas repartir dans le sel de cuisine. C'est comme si tu commençais, après tu avances au quatrième étage, tu redescends encore à l'étage numéro 1. Le bain de pipi fatigue énormément, c'est normal. Le but, c'est que tu abandonnes. Beaucoup, vous aurez même des accidents, c'est-à-dire tu vas glisser, ça va te faire mal. Donc, vous aurez un accident, vous aurez quelque chose qui va vous arriver. L'ennemi, quand il sait qu'il ne peut plus rien pour vous arrêter, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre une diversion. Et cette diversion va venir sous la forme de dépression intense. Les personnes dont tu avais peur vont t'appeler pour t'intimider. Je peux vous dire le nombre de personnes qui a commencé à faire, même sur qui j'ai commencé à travailler. On les appelle. Maintenant, c'est la femme-là qui travaille sur toi. On va vous appeler pour vous intimider. Je voulais faire le lavage du mois et je n'ai pas encore l'argent. C'est possible de faire le crédit. Le rituel de pleine lune que j'ai fait hier, j'ai permis à certaines personnes de faire.
et de payer. Ça, c'est des personnes que je connais déjà. Mais si tu viens d'arriver comme ça, non, je ne peux pas te permettre. Et puis, si tu vois que tu n'as pas d'argent, lave-toi au sel. Le lavage au sel ouvre les portes. Supposons que tu restes, tu n'as même pas 5 000 francs. Tu prends le sel de 5 ans à la maison, tu te laves avec. Comme tu te laves avec là. La semaine, tu reçois 150 000, 200 000. Comme les 200 000 là entrent, tu seras tenté de prendre l'argent là, aller résoudre tes problèmes. Fais ton travail. Achète tes produits. Vous me suivez? Tu veux le parfum? Donne-moi tout. On va livrer. Ça va tomber sur ta toiture. Tu as compris, ma chérie? J'ai besoin du parfum. Donne-moi tout. Je ne sais pas comment faire. Ça va tomber sur ta toiture. Tu as compris, non? Formation spirituelle niveau 1 commence le 20 septembre. Niveau 1. Il y a certains parmi vous que vous n'allez pas rester. Dès que vous commencez avec vous niveau 1, là, il va vous envoyer au niveau 2. Niveau 2, niveau 1, c'est 50 000. Niveau 2, c'est 200 000. Niveau 3, c'est ce que je dois introniser. Là-bas, c'est 500 000. Donc, quand vous venez vous dire que je veux que tu m'enseignes, je veux que tu m'enseignes, tu me payes toi jusqu'à. Tu ne veux pas payer, tu te laves au sel. Quand l'argent vient, tu payes. Beaucoup d'entre vous, le blocage que les entités négatives mettent sur toi, c'est quoi? Le blocage, c'est que ta mère n'a jamais eu l'argent pour travailler sur toi. Ton père lui-même n'était même pas là. Toi, à chaque fois que tu as ton argent, tu passes le temps à donner aux gars. Si vous savez le genre de blocage qu'on a mis sur vous, on a fait de telle façon que tu ne peux pas. Tu as un peu d'argent comme ça là. Tu vas. Et tu ne sais même pas pourquoi tu donnes aux gars. Hein? Tu ne sais même pas. DJ Marina, comment tu vas, la Queen? Maintenant, comme toi, tu te rends compte. Quand tu as un peu d'argent dans ta poche, fais comme la cotisation. Travaille sur toi. Je veux les produits, je suis en France. Je vais te donner le numéro, tu écris. Les produits sont à Paris. Mais vous commandez au Cameroun, vous payez au Cameroun. On envoie la commande à Paris, elle poste chez vous. Ok? Bonjour, coach Selo, contacte-moi après. Parfois, tu es là qu'on t'a bloqué. Et que pour te débloquer, il faut même 800 000. Un de tes blocages, c'est que tu passes le temps à donner l'argent aux hommes. J'ai une de mes filles ici, elle est venue me voir hier. J'ai voulu faire une vidéo TikTok pour parler de son histoire. Je crois qu'elle est même fatiguée d'être épuisée. En l'espace de 2 ans, cette fille a fui. Bonjour et merci le roi Xavier. Caleb, attends, il te bloque. Bye. Où est-ce que je cherche les abonnés? Voilà, ton kit n'arrive pas depuis la Asita. En l'espace de 2 ans et demi, cette fille a été fiancée. Donc, du jour au lendemain, elle est fiancée, enfant dans le ventre de 5 mois de grossesse. Du jour au lendemain, elle perd son bébé.
Pendant qu'elle était pleurer l'enfant à Yaoundé, elle vivait même à Yaoundé d'ailleurs. Pendant qu'elle était pleurer l'enfant, 2 jours plus tard, son gars l'appelle et lui dit que je suis partie en Italie, je faisais mes papiers sans te dire. Elle se retrouve du jour au lendemain, la maison, elle est seule, elle doit payer le loyer, donc elle a déménagé, elle a fait une dépression carrément. Elle avait 23 ans à l'époque. Elle perd le bébé, elle perd sa relation. Un an plus tard, elle revient un peu, elle essaie encore un peu. Elle tombe enceinte. Elle avait perdu un bébé. Hein. Enceinte des jumeaux. Fiancée avec le père des enfants. Elle accouche. Un des enfants meurt. Le deuxième, avant-hier, elle atterrit ici, elle me dit, voilà, elle a découvert que le père même de l'enfant là qui était resté, il l'utilisait seulement. Tout son argent partait que chez le gars. Tu imagines, on te rencontre, il te fait l'enfant. Après, ça rend compte que l'argent qu'elle prenait même à l'essayer pour couvrir les dettes du gars, pour faire ceci, il prenait son propre argent et il partait s'occuper dehors d'une autre femme. Hein? On peut bloquer quelqu'un comme ça. Félix, pas seulement. On peut bloquer quelqu'un comme ça. Donc, là voilà, deuxième heartbreak. Il est parti, il a abandonné la maison avec l'enfant. Elle n'a pas de devant, derrière, elle ne sait même pas quoi faire. Donc, on peut faire les trucs sur toi que ton argent passe seulement pour l'homme. Tu as un peu d'argent, tu n'arrives pas à travailler sur toi. Donc, faites attention. I'm coming for you, Félix. Don't worry. J'arrive. C'est que ma main ne tarde pas, non. Hein? My hand. I am swift to act. Voilà. Bloqué. Fais t'amuser dans mon direct. Et la fille, si. Et le Jacques, si elle a l'argent, tu lui dis que paye pour faire tel truc sur toi. Mais c'est après qu'elle m'a dit que j'avais donné mon argent au gars. C'est après qu'elle m'a même pas venu t'avouer. Tu n'es pas la première femme. Tu n'es pas la première femme qui a abusé. Comprends ta leçon. Parce que si tu n'apprends pas, tu vas repasser le même test. C'est ça la vie. Le numéro de Yaoundé. Je vais ouvrir un bureau à Yaoundé ce mois de septembre aussi. Je le déclare ici. Tout démon. Je vais ouvrir Yaoundé à nouveau. Vous avez suivi, non? Donc, attendez-moi à Yaoundé. Je vais voir si je peux venir dimanche. Oui, tu peux boire l'eau de pleine lune. Parfois, tu restes comme ça, là, tu ne comprends pas pourquoi tu agis comme tu agis. Tout, c'est la persévérance. Ne croyez pas que ça va venir seul. La personne qui vous a dit ça a menti. Ta mère aurait dû travailler sur toi, elle n'a pas travaillé. Ta mère aurait dû travailler sur toi, elle n'a pas fait. Tu crois que qui est ton sauveur? Tu crois que qui va venir te sortir de là où tu es? Hein? Le numéro pour la Côte d'Ivoire, c'est le 0 Côte d'Ivoire 07. Côte d'Ivoire 07 79. 02 52 05.
Si tu ne prends pas la décision de travailler sur toi, je t'informe que personne ne le fera. Vous comprenez, non? Il y a les entités que dès que vous tombez sur ma page, ils savent. Le truc, c'est que vous pensez que vous êtes dans une petite bataille avec des petits démons. Voilà. Ils sont là depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un parmi vous ici, là, est-ce que tu as 500 ans? Hein? Qui parmi vous ici a 500 ans? Ils te voient comme tu regardes ma vidéo tous les jours là. Comme tu te laves celle là. Hein? Elle veut sortir de son trou. Donc elle va avancer. J'ai reçu maman récemment. Elle me dit qu'elle est tombée sur mes vidéos. Elle a parlé à ses enfants. Ses enfants aussi ont commencé à regarder mes vidéos. Commencé à faire. Elle-même, elle a dit que mes enfants vont avancer. Est-ce que vous savez que parfois on vous bloque pour rien? Je consultais une dame l'autre jour. La dame me dit donc que sa grand-mère a été bloquée comment? Sa grand-mère et la grande sœur de cette dame qui était sa grand-mère. Donc deux sœurs, comme ça bien. Un jour donc, sa grand-mère se moque de sa grande sœur à elle en disant, tes enfants sont laids. Les enfants sont beaux. Ça énerve. Cette dame, elle part, elle pratique pour bloquer les enfants de sa soeur. Et vous savez quand est-ce qu'elle avoue ça? Quand cette dame qui a été, l'enfant qui a été bloqué à 75 ans. Et elle-même qui avoue, elle est en train de mourir déjà. Qu'en fait, je sais pourquoi ta vie n'avance pas. Quand elle était jeune, ta mère et moi, ta mère m'a insulté mes enfants. Je suis partie. J'ai bloqué ses enfants. C'est pour ça que la vie n'avance pas. Et tu me dis, j'ai 75 ans, que je fasse quoi? Et celle-là à qui je parle, qui est la fille, elle a presque 50 ans, bloquée. Ses enfants sont dans la vingtaine, bloqués. Vous pensez que les petits-enfants, que les enfants, six enfants accouchent aujourd'hui, quoi que les enfants seront comment? Bloqués. Parfois, tu as les blocages qui ne sont pas les tiens. Pour les bêtes choses, hein, parce qu'on a dit que tes enfants sont laids. Ils n'étaient pas d'abord laids. C'est pour que vous voyez, les agents de lumière sont toujours beaux. Hein? Vous-même, regardez mon visage. Regardez. Quand tu checkes que son enfant est laid, il n'est pas d'abord laid. Je fais seulement de l'humour. Hein, bon, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Quand même, on ne va pas utiliser le fait que la personne a dit que tu es laid pour bloquer. Ça n'a pas de sens. Et faites attention. Voilà. Les gens qui vous bloquent n'ont pas besoin de votre approbation même. Voilà, ta mère était très riche. Sa belle-sœur est venue demander un prêt. Elle allait travailler sur ta mère. Voilà. Waouh! Quand tu avais 12 ans, un homme a dit à ton père, ton fils ne réussira jamais. Waouh! Vous blaguez. Le mauvais œil est réel.
Je voudrais parler de l'histoire qu'une fois je suis arrivée dans l'avion, j'ai vu une jeune fille avec son mari. Ils étaient tous les deux jeunes, beaux. Le mauvais œil existe. J'ai ressenti ça un jour, moi, dans mon cœur. Après, j'ai dit que si moi, je ressens ça sur les gens-ci, combien de fois quelqu'un qui est laid, pauvre, mal intentionné, aigri. J'entre dans l'avion, je vois une jolie fille comme ça. Elle devait avoir maximum 29 ans. Vous voyez le bel âge là. Elle avait les pieds arqués comme ça là. Elle était brune. Elle avait une bague de mariage en diamant comme ça là. Hein? Elle avait mis la lace wig. Elle était belle. Elle avait un beau bébé de 2 ans. Elle parlait français et anglais. Raffinée. Et ce n'est même pas elle qui portait l'enfant. C'était son mari qui portait le bébé. Donc ça veut dire que son mari, il l'aide, il la comprend, il l'aime, il est serviable. Hein? Je sais qu'on n'est jamais jaloux dans votre vie. Vous n'êtes jamais jaloux. Donc laissez pas les amants pour moi. Après, je vois comment il s'asseye. Une maman, elle avait un petit problème. Elle s'est levée et dit, Mommy, don't worry, mommy. Je dis, yeah. En plus d'être belle, elle n'est pas insolente. Elle est gentille. Yeah, on peut faire ça. Vous pouvez commencer à s'asseoir, après elle se tourne et check son mari. Baby, you're right. Elle parle français, anglais, elle parle avec son gars. Et je regarde son gars, il est beau, jeune. Apparemment, il était riche parce que le genre d'habit qu'il avait porté là. J'ai senti mon cœur pincer, j'ai dit que, yeah, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis jalouse. Je vous dis, moi, Hora. Si moi. Je peux imaginer le nombre de personnes par jour qui peuvent regarder ce couple-là et à l'homme macabre. Hein? Imagine alors ceux qui vont aller agir. Et c'est que vous êtes des saintes ni touches là, les saintes ni touches aussi. Vous n'avez jamais été jaloux de quelqu'un, jamais, non. Donc, God bless everybody. Chaque fois que l'argent est dans ton compte, tu peux partager dans la rue à tout le monde. Vraiment. Oui. Imagine. Le mauvais œil, c'est quand quelqu'un te voit. Et par jalousie, il y a une mauvaise énergie. Il y a une énergie qui sort de son cœur. Ça peut pousser la personne à aller faire des pratiques qui ne sont pas bien. Ça peut pousser la personne à dire des paroles qui vont t'attacher. Parce qu'on bloque quelqu'un avec les paroles, avec les incantations. Les incantations, c'est les paroles qu'on produit, on prononce des. Spell, en anglais spell, ça veut dire épeler. C'est comme ça qu'on bloque les gens. Donc, quand vous êtes simpleton, tu es là, tes choses marchent, tu ne te protèges pas, tu ne fais rien. C'est comme ça que tu te retrouves à terre. Oui. Pourtant, j'ai toujours su que je serais riche et célèbre. Waouh, tu as eu le sida à 17 ans. Et beaucoup de maladies sont lancées sur les gens. Oui. Effectivement, Léo, c'est ce que tu fais du sentiment qui compte. Voilà. Tu rêves de ta tante, tu luttes toujours avec elle. Et tu es là, tu n'as pas travaillé sur toi, n'est-ce pas? Ne travaille pas sur vous, soyez simple. Ceux qui ont commencé à faire le bain de pipi, c'est bien pour vous. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Oh. Quand il parlait de mon bain de pipi, ici, on a dit que c'est la sorcellerie. Il dit que tant mieux. C'est chacun qui connaît les faits dans sa vie. Waouh, je suis presque mort. Et sans qu'on t'avait enterré jusqu'à Xavier. La seule chance, quand les gens gâtent pour moi, Dieu me donne mieux encore.
Oui, Chris, il y a des personnes comme ça. Il y a la personne que ton aura est tellement puissante que quand on gâte, aussitôt qu'on gâte, déjà ouvre encore l'autre porte. Il y en a aussi que parfois on te gâte, on t'a gâté tellement longtemps. À un moment, tu reçois l'énergie, tu commences à faire ton travail, tu fais. Mais je peux dire que c'est quasi impossible de sortir du trou sans qu'il y ait une aide angélique, une aide supplémentaire. Parfois, tu sors d'un trou comme ça, là, que c'est ta grand-mère qui avait fait des choses. Elle a mis des prières sur vous depuis longtemps. Et puis, soudainement, ça se réalise. Vous voyez un peu. Quand les gens me voient, ils pensent que j'ai l'argent alors que je suis trop volo. Faut travailler sur toi. Les gens ne mentent jamais sur toi, parce que les gens peuvent sentir. Waouh! Si tu es en période, ne fais pas le bain de pipi. J'ai dit j'allais travailler à l'âge de 25 ans, j'étais paralysée. Je n'interprète pas les rêves, s'il vous plaît. Oui, la pleine lune d'hier était très belle. Maryse, c'était très joli. Pour le numéro de France, vous allez écrire au Cameroun. Quand vous pouvez commander les produits, vous payez par Tap Tap Send ou bien un autre moyen. Et puis on vous envoie, la dame de France vous poste les produits. Oui, la belle Réam, il y avait beaucoup d'énergie hier. Oui, bain de lune, période, ça ne dérange pas. Tu as un ami qui t'a appelé hier pour te demander 20 millions. Le numéro de téléphone est le suivant. Plus 237 693 50 22 66. J'ai un imposteur qui allait, se passe pour moi, il allait trouver le même numéro que le mien. Il y a un seul chiffre de différence. Mon numéro est dans ma bio sur TikTok. Prenez le deuxième numéro MTN. Donc je vais commencer à donner plus ce numéro-ci. Plus 237 680 71 07 01. Merci. Hier, on a fait on avait un rituel ici, on a fini à 23 heures. Ceux de la France, vous êtes entrés dans votre minuit, on était ensemble. Il y avait beaucoup de manifestations. Les gens étaient délivrés de choses. Beaucoup. Donc ceux qui n'ont pas participé, vous pouvez toujours avoir le numéro, la vidéo. J'ai mis la vidéo en ligne sur une page privée. Vous pouvez toujours la voir et faire cela. Bonjour, monsieur le Sénégalais. Je travaille aussi sur les Sénégalais, oui. Ok madame, je vais exceptionnellement vous recevoir aujourd'hui. Dans 1 heure, faites-moi signe. Je m'accorde avec toi, je bénis ta dîme, déclare l'augmentation financière. Que tout ce que tu as demandé pour ce nouveau mois, cette pleine lune,
que ça s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez le numéro plus 237 680 71 07 01. Plus 237 680 71 07 01. Envoyez-moi tous tes retraits, je vais envoyer la dame de Ria. Je t'ai dit qu'il faut toujours économiser le temps. Tu envoies ça chez la dame. Est-ce que tu lui envoies les trucs qu'elle fait? Elle imprime, tu viens justement récupérer. Même Miss Posso, il faut lui dire ça. Vous aurez aussi beaucoup de personnes qui vont vouloir, quand vous allez commencer votre travail spirituel, même seulement le sel, vous aurez aussi beaucoup de personnes qui vont vous détester. Et le but en fait, ils veulent vous frustrer parce qu'ils sentent que vous leur échappez. Vous commencez à devenir incontrôlable. Donc, ne soyez pas surpris, vous faites le bain de pipi, le bain de ceci. Vos vraies personnes vont rester. Mais les personnes qui étaient avec vous, qui avaient un mauvais esprit, qui vous dominaient, ces personnes, vous allez avoir beaucoup de problèmes avec elles, avec ces personnes. Alvina, pourquoi tu veux que tu bloques? Ayabio, on a vu que ton père te maudissait. Tu veux faire les cinq chansons. Tu m'as dit que ton père te maudissait. On a vu. Le bain de pipi ne se fait pas le soir, ça se fait le matin. Quand vous partez écouter les vidéos, prenez le temps. Le rituel a été fait et je n'ai pas, j'ai pas de vidéo pour ce rituel-ci. Il n'y a que le rituel pleine lune qui a une vidéo. Le rituel d'argent, non. Mais je vous assure qu'il a été fait. Voilà. Je ne parlerai pas des foyers parce que il n'y a rien de plus douloureux qu'une femme qui va avancer et son gars ne veut pas avancer. Votre problème, c'est que vous attendez trop l'approbation des gens. Arrêtez vos trucs, prie pour que. Quand tu veux quelque chose, détermine ce que tu vas donner en échange. Tu peux prendre une bouteille de jus, tu peux faire une libation. Je demande le visa de ma soeur. Après, tu peux faire un don dans un orphelinat. Arrêtez de venir supplier les prières des gens ici en ligne. J'ai horreur de la mendicité.
Pardon, prie pour moi. Pardon. J'enseigne les principes spirituels sur ma page. J'ai des vidéos que je fais, je vois souvent 100 000 vues. Et je regarde, je n'ai même pas ces 100 000 vues là. Je n'ai même pas eu 500 abonnés. Ça veut dire que vous allez voir, vous allez passer. Donc si vous poursuivez toujours ce qui va vous aboutir, après vous souffrez, souffrez en paix. Nick Fashion, quand il me fâche, on me dit pas de ne pas me fâcher. Je me fâche si je veux. Tu as compris? Je me fâche si je veux. Ok? Et si tu continues à me dire de ne pas me fâcher, je te bloque. C'est comme ça que moi, il fonctionne. Voilà. Donc, peut-être que tu es nouvelle sur ma page. Quand elle va me fâcher, elle me fâche. Parce que j'ai horreur de voir. Tu vas voir que quand tu passes sur une page, tu vois la personne dans ce. Tu regardes, ça te plaît. Tu t'abonnes. Ces réseaux sociaux font l'effort de pousser devant vous des vidéos qui ne vont pas vous aider. Et vous-même, dans votre bêtise, je vous dis, dans votre bêtise, et je pèse bien ce que je dis, vous pouvez les vidéos, on tourne les fesses. J'ai vu ça sur TikTok 50 fois hier. Ce n'est pas au hasard. Avant de t'abonner à quelqu'un, considère pourquoi je m'abonne. Pourquoi? Est-ce que je veux que ce que la personne a comme compte, j'ai des pages que qu'elle tombe dessus. Je vous assure, je passe au moins 2 heures de temps. J'écoute toutes les vidéos que la personne a faites. Parce que je sais que ça. Attendez un peu. Imagine les révélations que j'ai eues il y a cela 6 mois, c'est sur TikTok. L'autre que j'ai eu janvier 2020, combien? C'est sur TikTok. Tu tombes sur une de mes vidéos, tu regardes. Même liker, tu ne veux pas vraiment regarder, liker. Parce que tu crois que c'est. Beaucoup de mes vidéos n'ont pas plus de 1000 likes. Par contre, souvent les gars ont se dit que, mais qu'est-ce que les Africains aiment sur ça? Tu vois quelqu'un faire tin, tin. Din, 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 din. Tu as regardé la vidéo. C'est fini. Ça ne t'a rien apporté. Tous tes faux problèmes là sont toujours là. C'est un peu une information que tu vas mettre en pratique comme ça. Tu vas voir comment dans la journée, quelque chose va changer en toi. On a seulement vendu les Africains. On a seulement vendu les Africains. Au revoir, monsieur Xavier. Que le vin que j'avais prédit le coup d'état. Je ne me rappelle pas, mais si tu dis. Merci pour les lunettes. C'est toi qui m'a donné les lunettes. Merci. Dorian, tu es allé faire le sacrifice dans ta famille. Au mois d'août, en rentrant, tu as donné le jujube. Dès que tu es rentré, tu as fait le bain avec tout ce que tu trouvais. La nuit, tu as rêvé qu'ils voulaient te faire une couche de nuit. Le matin, tu as appelé, ils n'ont pas répondu. L'Africain. Après, tu l'as en Europe comme ça, là. Tu cherches les papiers, tu ne trouves pas. 8 ans. Bloqué. Décide-toi un jour. Hein? Que je vais me débloquer. Je vais avancer. Je vais réussir.
Assois-toi, tu écris ce que tu veux. Fais ton bain de sel. Fais ton bain de pipi. Ouais. Ouais. Tu veux savoir quelle est ta mission? C'est moi qui dois te dire. Ta sorcellerie que tu veux me mettre dans la... Je ne suis pas dedans, mais... Vous voulez tout qu'on vous dise ce que vous êtes censé faire dans votre vie. Éventuellement, tu vas te libérer si tu n'abandonnes pas. Je suis en procédure de visa pour le Canada. Miguel, pourquoi je suis toujours en blanc? Je porte d'autres couleurs. Tu ne me vois pas souvent avec le ndop. Tu ne me vois pas souvent avec le ndop. Le ndop est bleu. C'est juste que quand tu me vois, je suis en blanc, c'est tout. Je veux juste que tu saches que si tu ne laisses pas ce que tu as commencé, tu vas te débloquer. Tu vas te débloquer. Si tu n'abandonnes pas, dès que tu tombes sur mes vidéos, tu commences à faire une, deux, trois choses. J'ai une fille, une de mes petites fois. Avant, les donne-moi tout cela, c'était dans les bouteilles cassables. Maintenant, je mets dans les bouteilles plastiques. Vous voyez comment j'appuie, non? Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes. Une de mes filles ici, elle a acheté le donne-moi tout. Utilisé. Le matin, elle se lève et dit qu'elle va aller faire son bain. Elle met l'eau à la douche. Elle part chercher quelque chose dans la chambre. Elle revient avec le donne-moi tout. Elle a glissé. Le donne-moi tout est tombé, ça s'est cassé. Ça a fendu sa veine sur son poignet. Vous pensez que quand non, j'ai commencé à faire le bain de sel, ils ne me voient pas. J'ai commencé à acheter des produits de la lumière, ils ne me voient. Vos démons me connaissent. Vos démons me connaissent. Ils sont sur mon direct, non? Vous savez qu'on se connaît, vous savez qu'on veut rien me faire, non? Vous savez que je vais les délivrer, non? Vous savez, non? I'm coming for you. Quand vous voyez souvent, Baba d'ici, il me fâche. Parce que les esprits qui vous voilent le visage là, ça doit quitter. Bro, si à ma page, je n'ai pas pour se plaindre, ni pleurer. On ne pleure pas ici, on ne se plaint pas ici. Pas le commissariat te plaindre. Tu as compris? Ici, on prend sa vie en main. On se prend en charge. Je ne veux pas les paresseux. J'ai fait une vidéo l'autre jour où j'ai prévenu les gens. Il y a une de mes filles. Je travaille sur elle. C'est une marche. Oh, j'ai eu un 10 000 euros qui est tombé. Dada. Je fais ton témoignage ici sur ma page. Et en faisant, j'ai enlevé le plus de détails possible. C'est des Decepticons qui me suivent. Ils sont abonnés à ma page. Les Decepticons se lavent au salaire. Vous savez ça? Vos Decepticons se lavent au salaire. Ils sont sur ma page ici. Ils sont là. Souvent, ils viennent me tenter, non? Elle sort de chez sa personne là-bas, de son truc là-bas qu'elle fait, c'est chute sur les gens. Maintenant, elle vient. Oui,
Ben, Livia, je vais te produire. Quand vous venez, vous dégagez à distance. Dégage à distance. Tu vas me tester. Tu veux me tester? Tu as mari de nuit. Heureux mariage, ma chérie. Que j'ai mari de nuit. Heureux mariage. Vous avez beaucoup d'enfants. Ceux qui ont raté le rituel de pleine lune hier peuvent le faire aujourd'hui. Je ne sais pas. Payez-vous, je vous donne la vidéo, vous regardez. Si ça vous aide, ça aide. On poste les produits au Congo. Tu vas faire le Western Union. Oui, dimanche, ce sera à Yaoundé. Vous pourrez acheter les produits. On poste au Congo. Tous les rituels qu'on a fait hier, vous pouvez envoyer 15 000 francs, non, 20, 20 000. Je vous envoie toutes les vidéos des rituels, vous regardez, vous faites vous-même. Vous mettez 20 000. Êtes-vous baptisé? La petite soeur de Jésus. Pardon, mamie, il faut aller prêcher ailleurs. Généralement, les petits frères de Jésus sont très pauvres. Je ne sais pas là où tu as pris le crédit pour être dans mon direct. Ton bain de pluie. Les démons là sont là, ils regardent. Souvent, quand une personne arrive ici, commence à manifester, les esprits la parlent, vont l'empêcher de venir ici. On ne sait même pas pourquoi elle est venue te voir. Oui. Bonne journée, Anissa. On l'a empêché, on a bloqué son argent. Il y a une comme ça l'année passée. Elle est venue ici, elle était bloquée au Cameroun. Là, voilà que 14 mois plus tard, elle a eu son visa pour les États-Unis. Quand il donne les témoignages des gens comme ça, là, en fait, vous avez fait ce qu'un peu plus donner les témoignages de mes gens sur ma page. Hein? Elle est au Cameroun. Hein? Je vais te donner son témoignage. Elle est venue, j'ai travaillé sur elle. Elle a eu son visa, elle est partie en Europe. Elle a fait un an exactement en Europe. Elle a eu son visa pour les États-Unis maintenant. C'est là-bas qu'elle va finaliser sa résidence. Je témoigne pour quelqu'un sur ma page. Vous menacez la personne. Je vais vous faire retour à l'envoyeur. Je vous donne les ultimatums maintenant. Voilà. Est-ce que vous venez intimider? Il y a une autre que j'ai travaillé sur elle, elle est au Canada. Elle a eu ses papiers, elle a eu son titre, son truc de permis de travail. Je fais son témoignage sur la page. C'est des sceptiques qu'on voit, il appelle pour l'intimider. N'ayez plus peur. Peur de quoi? Oh là, peur. Peur de quoi? N'ayez plus peur. Tu n'as pas la somme que je demande. Moi, je ne suis pas pour tout le monde. Je ne travaille pas sur tout le monde. Je n'ai pas la somme. Lave-toi avec le sel. Ton âme va venir. Juste en passant, je ne travaille pas sur tout le monde. Ok? Au Gabon, prends les produits sont à lui. Le local est à lui au Gabon.
0741 80 080. Ça, c'est le numéro du Gabon. Prenez le numéro de la Côte d'Ivoire. Il n'y a que Gabon et Côte d'Ivoire et Cameroun. Tous les autres pays ont poste. Je serai bientôt au Burkina. Je serai au Burkina le 9 ou le 10 de ce mois. Je dois vérifier avec mon assistante. Pour l'Allemagne, on poste à partir de Paris. Nuri, quand tu dis que les sorciers te dérangent, quelque chose pour toi. Tu es en train de me supplier pour qu'elle te donne quelque chose, non, n'est-ce pas? Je ne veux pas la mentir ici. Voilà. Le kit de blocage contient déjà le donne-moi tout. Donc le kit de blocage, c'est 65 000 francs au pays. Bon. Quand vous commandez en étant aux États-Unis, les produits sont à Washington. En Europe, il y a les produits à Paris et il y a les produits à Bruxelles. On poste à partir de là en Suisse, Allemagne, Italie, on poste partout, Grèce même, oui. Pour Dubaï, il y a quelqu'un qui arrive à Dubaï peut-être dans 2 jours, 3 jours. Donc, il pourra venir avec quelques produits. Bon, je trouve, de toute façon, moi, je ne vais pas vous forcer. Hein. Celui qui fait son travail, il fait. Celui qui n'est pas fait. Celui qui n'est pas fait, il peut regarder les chansons sur TikTok, il danse. Non, si tu veux en dollars, ça va te faire. Parce qu'il faut payer DHL. Donc, le kit aux États-Unis, c'est combien? C'est 200 dollars. Le numéro du Gabon, c'est le 074-18-0080. Oui, il y a le kit pour la stérilité. Je n'ai pas lancé ça encore. Mais on est en pleine fabrication. J'ai pris un kit complet. Ça, c'est des produits qui vont vous coûter même 120 ou 150 000. Parce que j'ai mis les produits contre les kystes. J'ai mis les produits contre les fibromes. J'ai mis un autre que tu bois. Ça nettoie le ventre. Il y a un autre qui nettoie les reins. Vraiment, ce produit-là est complet. Je crois que j'ai fait le kit à 150 000. Pour l'infertilité. Et c'est très sympa, beaucoup. Je ne veux pas moi faire mes kits beaucoup, beaucoup là. Ce kit particulièrement. J'ai pris un an et demi avant de faire les kits infertilité parce que j'ai testé plusieurs produits. Voilà. Il parlait comme quand Jésus est dans le temple. Il était dans le temple. Non, moi, il me dit Jésus. Jésus était très violent dans ses paroles. C'est vous qui faites l'erreur. Vous croyez que parce qu'on est spirituel, on doit être. Les gens spirituels ne blaguent pas, ils sont rigoureux. Cherche-moi les roses sèches, s'il te plaît. Bonjour, la reine Emilienne. C'est qui est en train d'appeler au numéro du Gabon là? Raccroche. Tu me trouves dans le direct, je donne le numéro, tu appelles pourquoi? Je suis en direct, ma chérie, tu ne veux pas décrocher. Raccroche. Raccroche. On aime tenter les gens. C'est l'église qui vous a fait croire que non, Dieu va te pardonner encore. Dieu va te donner une autre chance. Encore, 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 encore. Le spirituel a pour ça, il y a des lois. Tu comprends comment ça fonctionne. La raison pour laquelle tu souffres, c'est parce que tu as rejeté le savoir. Et quand tu vas acquérir ce savoir, c'est pour ça que la formation spirituelle, on va commencer le 20 septembre. Je vais vous enseigner les bases de la spiritualité. J'ai dit le niveau 1, c'est 50 000. Niveau 2, c'est 200 000. Niveau 3, qui est l'improvisation, c'est 500 000. Niveau 1, je vous donne les bases. Donc là, qui arrive, je ne comprends pas, je ne connais pas, on fait comment? Dieu ne pardonne pas tout le temps, je suis désolé. En fait, ce n'est pas que. C'est toi qui subis les conséquences, en fait. Tu subis les conséquences, c'est tout. Tu ne respectes pas quelque chose, tu échoues. Tu souffres, tu es pauvre. C'est ça tes conséquences, ma chérie. Donc, arrêtez de prendre Dieu pour un bon. Oh Dieu, Dieu est tellement gentil. Dieu, amour, amour. Si on me gifle, je monte l'autre. Tue-moi, marche, suis-moi.
Ma belle-mère me détestait, même que je meurs. Belle-mère, tue-moi. À ton enterrement, la personne qui va préparer la nourriture pour ton deuil, ce sera la nouvelle femme de ton mari. Tu me suis, non? Voilà. Si le volume est bon, c'est bon. Tu ris, Machal. Non, je suis arrivé à un niveau où j'ai arrêté d'être bête. I stopped to be silly, you know. J'étais trop bête avant, hein. Simple. Gentil. J'ai des personnes dans ma famille que j'ai dit que je m'en devrais pas. J'ai passé les 30 premières années de ma vie. Ils m'ont bouli. Ils m'ont toujours fait des influences bizarres. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans que j'ai dit que stop. Et je ne vois pas le jour où je vais encourager un bébé. Ouais. On ne sait jamais, tu sais. On ne parle pas comme ça, tu sais. Pourquoi vous croyez à la Bible? Pardon, excusez ma vie, papa. Va, faut aller ailleurs. Tu as compris? Tu bloques, moi. Voilà. Je suis sur ma page, je dis ce que je veux. Voilà, Naomi dit que sa fille, hier, ta fille était vraiment souffrante au point où elle n'avait pas d'appétit. Tu es resté dans la nuit, tu t'es souvenu du direct où je vous ai chauffé. Tu t'es dit que à quoi ça sert? Tu as mis l'huile de blindage sur elle et tu as prié. Avant de dormir, elle a mangé, elle avait pris des forces. Ce matin, elle a recommencé son travail. Elle a commencé à faire le désordre à la maison, mais. Bon courage, ma fille, il faut continuer ton travail. On commence le 20 septembre pour la formation. Ceux qui sont à Douala, vous allez venir à Douala physiquement. Ceux qui sont à Abidjan, vous viendrez à Abidjan. J'ai un local à Abidjan. Au Gabon, vous viendrez au Gabon. Ceux qui sont en Europe, vous allez être sur Zoom. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, la façon dont l'ennemi vous bloque, c'est qu'il fait que tu dis que je vais faire. Je mets la formation dans ton téléphone. Je vais faire, je vais faire. Tu ne fais pas. C'est pour ça que j'ai mis l'option de venir physiquement. Donc, on va essayer de faire ça en soirée. Donc, après le travail, peut-être vers 18h30 comme ça. Voilà. RDC, j'arrive. RDC. Il y a RDC, il y a Burkina. Voilà 2 pays. Voilà mes prochaines cibles. RDC, Burkina. Dieu ne blague pas. Si vous manquez, c'est parce que on ne vous a pas bien conseillé. Si vous manquez, c'est parce qu'on ne vous a pas montré. À votre avis, pourquoi Dieu envoie les gens dans la Bible pour tuer? Hein? Il dit à David, extermine-moi les gens là. Et tu laisses même certaines personnes, ils se fâchent avec toi. Hein. Vous ne vous rappelez pas. Aïbo, la formation là n'est pas pour toi. Tu as compris? Aïbio, faut laisser. Je suis en train d'expliquer ici depuis, je pense que tu n'as pas compris. Il faut laisser. Tu laisses une personne. Oh ouais, j'ai vu un beau bébé. Oh, le petit bébé là, elle était jolie, je ne voulais pas la tuer avec sa mère. Il vient, il te fait les problèmes. Soyez rigoureux. Soyez ferme. Le même David que vous dites que oh, il était après le cœur de Dieu. David, c'était un meurtrier. Il ne blaguait pas. Un jour, je travaille sur une fille. Dans la nuit, elle rêve. Elle voit une maman qui l'avait bloquée. Elle vient dans le rêve et confesse. La même semaine, une autre maman qui l'avait bloquée, elle bagarre avec dans le rêve. 2 jours plus tard, cette maman meurt. Elle m'écrit, elle me dit, voilà, vraiment, je ne voulais pas qu'elle meure. Je dis, mais tu es folle. Quelqu'un a bloqué tes nationalités, bloqué ton mariage. Bloquer ta richesse. Tu travailles envers toi, l'envoyeur.
que si c'est n'importe qui que ça l'attrape. Elle meurt après quelques jours. Vous êtes même fou. Hein? Il y a des gens que s'ils pouvaient vous tuer, ils vous auraient tué. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. Vos anges sont trop puissants. Non, vraiment, non. Je veux seulement que ma tante soit là, non. Même si elle est seulement handicapée. Qui a tué? Tu crois que qui a tué ton père? Beaucoup d'entre vous, vos tantes ou vos oncles ont tué vos parents. Et ils ont essayé de vous tuer. C'est les films d'aujourd'hui qui font que... Si on vous fait la vraie version de la Bible, elle est sanglante. Le Seigneur a dit... Allez voir Abraham. On prend son fils, son neveu en otage. Il prend son armée. Vous croyez qu'il avait l'armée pourquoi? Vous dérangez, vous dites avec vous. Ah ah. Je veux seulement la paix. D'après, c'est seulement ma prière que je connais. Je ne connais pas moi. Je n'ai pas moi fait de mal à l'enfant de quelqu'un. Voilà vos mères là-bas. Je suis une comédienne. Hein? Je vais commencer à monter les sketchs de blocage. Vos témoignages là, je vais transformer ça en sketch. Attendez, moi j'arrive. Je vais transformer vos témoignages en sketch. Oui. C'est mal la prière. Je n'ai jamais fait le mal à l'enfant de quelqu'un. Que si un jour les gens qui t'ont bloqué viennent s'asseoir, ils te parlent. Que tu vois quand tu avais 20 ans, tu voulais te marier. On est parti pratiquer pour que ton gars t'abandonne. Tu vois quand tu devais partir en Europe, on a pratiqué pour que ton passeport se perde la veille de la demande de visa. Tu vois quand tu étais venu, on a toqué la porte. C'est nous qui avons cassé la porte pour que les gens là, ils arrivent, ils veulent toquer la porte, ils n'ont pas de porte. Pour qu'après ils fuient, ils te laissent. Hein? Vous parlez de quoi? TikTok remix. I like you. Et tu dois avoir beaucoup d'argent. Tu as un mindset qui est très abondant. J'ai remarqué que toute personne qui aime donner aux gens ne peut être que riche. Chaque fois que tu interviens dans le live, c'est toujours pour voir comment est-ce que ce que je donne peut aider encore plus de personnes. Oui. J'ai remarqué ça. Tu as un mindset très abondant. Attends, je bloque quelqu'un. Hein. Je bloque un Decepticon là. Tu mets ta connexion de 100 francs pour venir parler dans mon direct. Avec tes deux abonnés à 2 balles là. Bonjour, Reine Roland. On dit que tu vois à tel moment, quand ton mari est tombé malade, hein? Oui, c'était telle personne qui avait mis. Tu vois, quand tu es tombé enceinte, tu as accouché. L'enfant est mort. C'était. Ah! Hey! Hey! Parfois, qu'elle n'est pas boisée. Je fais le film nigérian, n'est-ce pas? Vous croyez que je suis productrice de film nigérian, n'est-ce pas? Chaque problème dans ta vie, il y a quelqu'un derrière qui est assis. Elle a l'abonnement mensuel. On vous dit de payer vos dîmes, vous ne payez pas, non. Ne payez pas la dîme. Restez aux agents. Les gens qui vous bloquent l'abonnement sur vous. Elle appelle aujourd'hui. On a encore fait les sketchs. Moi, j'aime moins les sketchs juste. Oui, allô. J'ai vu sur ce statut-là. Je vois un peu le dehors là. C'est comme ce n'est pas au pays. Oui. Il n'y a rien qu'on peut faire pour bloquer la fille là. Hein? Oui. D'accord, 300 millions, je t'envoie l'argent. Tu mets dans le forum familial. Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai trouvé une opportunité de bourse pour aller étudier en Tunisie. Vraiment, il faut seulement 450 000. Lui est ignoré dans tout le groupe familial. Alors que ta tante tentait de prendre 300 000 francs pour envoyer un marabout pour qu'on te bloque. Volume! J'ai dit la vraie vérité. Hey, hey, ah, hey, oh, 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 hey, 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 ah,
le genre de fille que tu attires toujours les mbenguistes. Tu ne sais pas comment, tu tombes toujours sur les mbenguistes qui ont pris le chocolat, ils ont collé sur leur ventre là, hein. Qui sentent bon à la Christian Dior là, hein. Les bas ingénieurs en Allemagne. Ah! Les bas footballeurs. Ton premier footballeur qui voulait t'épouser, il s'appelait Richard, il était riche. Ouais, j'ai des inspirations de sketch comme ça, il faut qu'elle fasse des sketchs, j'ai envie de faire des sketchs. Hey! Il arrive. On a fait le rassemblement. Comme ta mère était simpleton, plus, gradé, haut gradé, général de l'armée de simpleton. Le bataillon du je ne sais pas comment on peut, je ne connais pas le titre de l'armée, mais son bataillon c'était l'infanterie, je ne sais pas quoi. Oui. Elle appelle sa sœur. Oui, oui, Florence, il y a un gars qui est arrivé de la France. Il dit qu'il veut venir voir la famille pour Florence. Oui, il s'est dit que ma fille là. Là voilà. Depuis que tu es petite, à la maternelle, tu étais très intelligent. Tu as fait le CEP au coup moyen, au coup élémentaire. Je dois faire un sketch avec l'autre aussi, franchement. Tu as fait le CEP au CE1. Hein? À 6 ans, tu étais en 6e. À partir de seconde, là, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Hein? Putain, mais non, je ne sais pas ce qui arrive à l'enfant, si. Premier terminal, tu rames. C'est de justesse, tu passes le bac avec 10,00. Voilà ta mère. Oui, il dit qu'il va venir de tes Florence, tu imagines. Maman, c'est lui. Tu vois ma maison, je suis en train de carreler là, non. C'est lui qui est en train de carreler ma maison, hein. Oui, on va... il est en train de carreler ma maison pour le toquer porte là, oui. Oui, maman, vraiment. Là, voilà. Dès qu'elle raccroche au téléphone. On m'a bloqué dans ma vie. Écoutez-moi bien. On m'a bloqué dans ma vie. Je pouvais rester comme ça. Et ma mère était à morte. J'ai resté aussi dit que mon premier mariage qu'on a gâté. J'arrive ici maintenant que tous les membres de ma famille sont des Decepticons. C'est moi qui couche chez chaque oncle pour négocier ma dot. Pour qu'ils disent au moins ce qu'il faut faire. J'ai lu l'heure. Un jour, je me rappelle, je suis restée en sachet pleurer. J'ai dit, ouais, si ma mère était là. Après, un esprit me dit que si ta mère était là et qu'elle était simpletonne, tu es ton propre sauveur, mamie. Ma chérie, laisse-moi avec le rituel de pleine lune. Taranan, Oyoa. J'ai mis ça sur ma page hier. J'ai dit que c'était à payer. On devait payer. Tu n'as pas payé. Au Taranan, faut me laisser. J'ai fait mon sketch, ça me plaît. Tu en parles de pleine lune. Faut me laisser. Vous me laissez, je fais mon sketch, ça me plaît. Ah, au point. On continue, non. Oui. Et en faisant, elle se cache. Et ça suit, il n'y a pas quelqu'un autour. Oui. Mais tu m'avais dit que le travail du mois passé, là, c'était assuré, non? Mais sa mère vient de me dire qu'il y a un nouveau gars. Elle ne m'a pas, je n'ai pas vu celui-ci venir. Mais les trois autres que tu avais bloqués la dernière fois là. Oui, il faut combien? Oui, je te fais le dépôt maintenant. Elle rappelle sa mère, elle rappelle sa petite soeur, qui est la mère de l'enfant qui veut se marier. Oui, il faut qu'on aille au marché, tu sais qu'on doit donner l'habit, il faut qu'on lui achète un beau habit là, vraiment. Il ne faut pas que le jour là, on va pas humilier notre famille. Hein? On ne doit pas humilier quand même notre famille. Oui, sa mère et moi, on va aller au marché. S'il y a un truc qu'on doit mettre sous son habit, là, il faut me donner. D'accord. Je viens te voir ce soir. Je dois faire les sketchs, franchement. I need to do it. I just need to do it. Je crois que vous avez besoin de films. Vous avez besoin de visuels.
Là, voilà qui arrive chez lui. Il prend la cloche. Il fait. Entre. Ta nièce là, oui, c'est elle. On a travaillé sur la semaine passée, non? Mais non, je n'ai pas, je ne comprends pas. Attends, je vais checker un peu. Il y a une femme sur TikTok. Elle la suit. Oui. Je la vois, c'est la femme a touché sa photo, c'est pour ça que on n'a pas vu le footballeur, c'est pour ça qu'on n'a pas vu venir. Oui. T'inquiète pas, je vais faire autre chose. Mais tu vas encore ajouter 300 000 sur les 300 000 que tu m'as envoyé hier là. Oui. Non, en fait, tout ce qu'il a fait. Moi, elle ne peut pas. C'est pas en Europe. Elle n'a même pas fait 2 ans, ma soeur va aller en Europe. Alors que moi, tous mes décepticons enfants là sont bloqués sur le pays. Certaines en vous bloquant, elles ont l'argent. Certaines de vos tantes, elles ont l'argent. Leurs enfants sont mariés. Leurs enfants sont dans leur foyer. Leurs enfants ont l'argent aussi. Leurs enfants ont leur papier, la nationalité américaine depuis longtemps. Mais ils veulent vous bloquer. Ce n'est pas qu'elle te bloque parce que si tu pars, elle va rester. Non. Elle voyage tous les 6 mois. Elle part en Bengue, elle fait 2 mois. Voilà le genre de tante qui est. Parce qu'elle a les dos. On dit il faut qu'on mette seulement qu'un gros animal. Il faut 1 million, madame. Elle porte. Elle envoie. Je dois être la seule personne de ma famille qui part en Europe. Je dois être la seule qui... Je pars à Toronto. Je vais à New York. Après, je pars à Paris. Je visite mes enfants. Après, je reviens au pays. Après, je vois ma nièce qui est là-bas. Elle a 35 ans, elle souffre. Oui. Oui. Un jour, je vais prendre les paraboles. Une femme sur qui j'ai travaillé me dit que quelques années après son premier mariage qui a échoué, Prince, si tu as gagné un ticket pour que je te bloque, on ne me stresse pas. Même mes clients les plus fidèles, si quelqu'un me payait, même mon plus gros client, mon plus gros payeur, tu me stresses, je te bloque. Ok? Voilà, je continue mon sketch. Il y avait une bonne idée qui venait. Oh! Qu'est-ce que vous dites? La fausse fille est venue, elle a fait. Bon, attendez, on va refaire le scénario. Oui, il y a de cela quelques années, la fille est partie. Elle est venue au pays pour se marier. Son papa l'amène au village pour qu'on fasse les rites sur elle. Je dois faire une petite vidéo avec ça. Tu te demandes ce qu'elle gagne dedans. Elle gagne que, mais elle est la seule de la famille. Elle est la star de la famille. Elle avait raté sa star mania dans sa vie. Il faut qu'elle soit la star de votre famille. Tu ne savais pas. S'il vous plaît, envoyez les noms des gens qui doivent faire les sacrifices. Là. Envoyez ça au village. Pour le bouc aussi, envoyez. Yes, yes, yes. I'm still so good. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Yes, yes, yes. Excusez-moi, j'ai souvent des écarts de. Pinky Doll vient d'entrer dans mon corps. Il faut qu'elle sorte. Yes, yes, yes. Ok, on doit faire ça en vidéo. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Yes, yes, yes. Ah, TikTok, qu'est-ce qu'on a fait à TikTok? Tu as la nuit sur le téléphone à 2 heures. Tu tombes sur ça. Ok, continuons. Je dois vous expliquer l'histoire de la femme aussi. Donc, elle quitte de l'Europe pour venir au pays se marier. Et son papa l'amène donc au village pour faire certains rituels. Ok? Ils arrivent. Et c'était la gardienne de leur concession au village, c'est
la soeur de son père. Ils arrivent au village. À l'époque, elle savait que c'était une Decepticone parce que quand ils étaient petits, cette femme-là, c'était celle qui... Elle amenait souvent les biscuits et bonbons. Elle se cache dans la chambre avec les cousins de cette jeune femme et elle leur donne. Après, quand ils sortent dehors, ils font comme s'ils n'ont rien mangé. Donc, elle savait déjà que sa tante-là, c'était une Decepticone, mais elle ne savait pas que c'était le niveau-ci. Donc, elle arrive au village avec son père. Son père fait donc ce qu'il croit que c'est bien pour bénir, pour mettre les bénédictions sur sa fille. La tante, elle les regarde. Elle part. 4 mois plus tard, le mariage se gâte. Quelques années plus tard, donc, elle revient au pays, mais cette fois-ci, plus instruite spirituellement. Elle part au village, cette fois-ci, sachant ce qu'elle part faire. Elle arrive, même gardienne, toujours la tante, Tanticone. Tanticone arrive. Tanticone fait comme si elle veut trop l'aider. Non, je vais te montrer. Attends, j'étais. La femme observait seulement. À un moment, Dieu ouvre la bouche de sa Tanticone. Elle lui dit, il y a cela quelques années, quand tu es venu ici avec ton père, les rites que vous étiez en train de faire, ce n'était pas bien. J'ai vu, je savais, mais je ne vous ai pas dit. Elle dit qu'elle était choquée. Hey! Tu es la sœur du père de quelqu'un. Tu vois comment ton frère vient avec son enfant fait quelque chose. Ils font mal, tu sais. C'est 5 ans plus tard. Et c'est même Dieu qui a permis en ouvrant ta bouche. L'homme est mauvais. Vous blaguez avec votre tante. Et vous savez que la personne qui est censée garder vos traditions, parce que parfois on met souvent un successeur au village. Si la personne là, est comme la grand-mère. Donc ce qui fait que c'est ton devoir de bien faire le travail sur... Tu as accepté, non? Quand on te donne la succession, tu as accepté. Tu ne dois pas te placer là, tu fais mal en disant que wow, 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 tu fais le favoritisme sur tes enfants. Tu as accepté. Voilà. Continuez de blaguer avec vos deux petits compagnons qu'on vous bloque. Continuez. Dans vos familles, on a tout fait pour que toi et ton père y aient l'inimité. On a fait pour que toi et ta mère, problème. Certaines femmes même, elles n'ont pas de mari, c'est ton père qui est son mari. Son frère, elle a toujours des problèmes avec la femme de son frère. Elle part maintenant, j'ai reçu une dame ici comme ça le mois passé. Seigneur Jésus-Christ, la solution est... Te bloque ma vie, là. Ouais, oh Jésus, Jésus, là. Voilà. Vous avez trop insulté les gens avec Jésus sur TikTok.
Jésus t'aime. Prêche-toi d'abord à toi-même. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Celui qui demande comment on parle à la télé, là, je vais te bloquer. Oh. Moi, je bloque moi les gens. Oh. Je bloque moi les gens. Oh. Voilà. Si tu vois comment on fait un rituel quelque part, tu viens me demander. Va voir là où, va d'abord demander là où tu as vu. Je vais m'embêter pourquoi. Hop. Yes, yes, yes. Ice cream so good. J'ai rêvé cette nuit, on me donnait beaucoup d'argent, le sac était plein. Tu me dis ton rêve, pourquoi il fasse comment, mamie? Hein? Vous n'aimez pas la vérité? Malheureusement, pour le moment, on m'a envoyé. Je sais que c'est sur TikTok que je vais trouver les personnes qui ont besoin de moi. Tu es arrivé de moi 3 fois. Je faisais quoi dans ton rêve? Je te fouettais avec le bâton. Yes, yes, yes. Ice cream so good. J'ai regardé ta vidéo qu'il fallait faire pendant le lavage, mais pour boire grimpe. Ah, mais c'est super. Tous ceux qui sont sur la liste d'attente pour être consultés, je vais reprendre les consultations. Le 3, c'est quand? J'avais dit le 3, mais c'était normalement. Aïe, aïe, aïe. Je ne consulte pas les dimanches ni les lundis. Donc, je vais vous parler au moins le 5 ou le 6. C'est le 5. Oui. Il y a beaucoup de personnes sur la liste d'attente déjà. Bon, je vais vous faire un tirage pour le début du mois. Allez, New Month tirage. Je ne tire personne en particulier. Donc, ne m'écrivez pas pour me dire tire-moi, moi. Je ne tirerai personne en particulier. Je fais le tirage du mois. Tous les 3 semaines, vous allez aussi donner l'argent de l'entretien pour la moto de Donald. Et je crois qu'il m'a dit que c'est je sais pas combien. Donc il faut pas qu'il fasse un montant pour ça. Deuxième chose, le carburant aussi pour sa moto. Il faut qu'il donne des forfaits, qu'on sache. Je n'explique pas les libations, ok? Ce n'est pas tout ce que vous me demandez qu'il fait. Je fais mon live, je fais ce que je veux dans mon live. C'est mon live. It is my life. Oh. It's my life. Don't you forget. Je fais beaucoup de dictature parce que j'ai grandi dans une famille où on ne me laissait pas parler. Merci Touré. On ne me laissait pas m'exprimer. Ce qui fait que quand j'ai grandi, j'ai décidé que moi-même, je vais faire un environnement où je pourrais m'exprimer. Ok. Tirage du mois. On y va. Donc, qu'est-ce que vous avez pour septembre? Beaucoup d'entre vous, vous allez, ça, ce sera un mois très émotionnel pour vous. Très émotionnel. Vous aurez des blessures d'enfance qui vont remonter. Et quand ça va remonter, quand le Seigneur va te demander d'adresser cela, ce sera pour te faire comprendre que tu as déjà beaucoup avancé dans ton processus de guérison. Et que ce processus va, je vois comme une sorte d'accomplissement, de, you know, closing a chimer cycle.
tu fermes un cycle karmique. Voilà. Tu fermes un cycle karmique. Tu achèves certaines choses qui revenaient. Je vois quelqu'un que tu manifestais des relations abusives avec des narcissiques très souvent. Donc, ces choses-là vont s'arrêter. Voilà. J'ai dit que la vidéo de la pleine lune d'hier, elle est disponible. Et vous devez payer 20 000 francs pour cela. C'est deux rites qu'on a fait. On n'a pas fait seulement la pleine lune, mais on a fait aussi le rituel de protection. On a fait plein de rituels hier. Donc, c'est 20 000 francs. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'entre vous que vos miracles étaient un peu retenus. Je vois quelqu'un ici là que tes miracles étaient retenus dans le ciel. Comme quand il veut pleuvoir, ça tourne. Ok? La constipation, par exemple. Je sens que quelqu'un ici là, tu étais constipé. Excusez le terme, mais tu étais constipé spirituellement. Tu avais beaucoup de bénédictions qui devaient venir. Et le Seigneur me dit, il te dit que tu es dans une saison où ça va maintenant couler. Ça va couler. Donc, tu auras beaucoup de miracles qui vont se passer. Des manifestations incroyables. Voilà, tu as une grande mission sur la terre. Tu as une grande mission sur la terre. Winter, s'il te plaît, sors de mon direct. Tu as compris? Je t'en prie, ma chérie, sinon je vais te bloquer. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Dans les directs chrétiens, est-ce qu'on chante Pinky Doll? Yes, yes, yes. Ice cream so good. Je peux continuer? Voilà. Les chrétiens là, ne me forcez pas. Do not force me. Vous êtes chrétien, c'est bien. Je suis ce que je suis. Voilà. On continue? Yes, yes, yes. I seem so good. Yes, yes, yes. Eh, eh. Eh, eh. Boum, 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 boum. Tout ce qui me rend heureuse, j'aime. Tu me rends malheureux, je te bloque. On continue, non? This is not a Christian life, this is a life, point. Bon, continuons. Tu as une grande mission sur la terre. Et ce mois de septembre, tu vas ressentir à l'intérieur de toi comme une grande force qui te tire. Tu vas commencer à... Tu vas même marcher en haut, tu vas stopper les gens. Tu vas même annoncer aux gens que je serai célèbre. Je serai riche. Tu as beaucoup d'assurance. De plus en plus, tu sais que tu es appelé à faire de grandes choses. Donc tu le sais. Tu le sais. Beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes des descendants de Jésus. Donc, vous allez beaucoup utiliser la puissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour travailler avec. Mais ce sera plus dans la manifestation. Certains, vous allez quitter vos églises parce que vous voulez voir la manifestation du pouvoir de Dieu. Vous êtes fatigué de voir, on parle, j'avais, j'étais, je... mais vous voulez voir la concrétisation. Ok? Voilà. Les agents de lumière vont beaucoup s'activer dans ce mois de septembre. Vous allez vous activer. Je sens l'impression que tu m'écoutes, tes pieds picotent, ça chauffe. Tes mains aussi, tes bras vont s'activer. Ne me parlez plus de vos rêves. Fille simple, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Attends, je te préviens même qu'elle va te bloquer. C'est quoi? Tu vas créer un autre corps. Ne venez pas, tu m'as bloqué. Je te bloque. Ne dérangez pas. Beaucoup d'agents de lumière, je ne serai pas la seule personne à vous dire dans ce mois de septembre que vous êtes un agent de lumière. Ça va venir de partout, les gens vont venir de tu portes une lumière en toi. Waouh, waouh. Et votre sang va s'activer. Vous aviez l'ADN qui était endormi, qui était latent, dormant. Ça va s'activer dans ce mois de septembre. Et on est dans le mois de la super manifestation. Donc j'ai deux cartes pour l'activation de l'ADN, deux cartes carrément. J'ai des anger issues, j'ai des problèmes, les excès de colère. Appelez ça comme vous voulez. Appelez ça bipolaire, appelez, je m'en fous. Mais tout ce que c'est que tu m'énerves et te bloques. Voilà. You de énerve me à débloquer you. Engueuler dans mes commentaires, je vous bloque. Vous vous engueulez dans mes commentaires, je vous bloque. Le volume est bon, non?
Il faut pas. Je suis plus dur avec mes enfants. Hein. Je suis très dur avec mes enfants. Donc, si quelqu'un dit qu'il s'appelle mon enfant, là, c'est grave pour lui. Vraiment, je te plains. Je suis très dur avec mes enfants. Beaucoup d'entre vous, vous aurez vos pouvoirs de voyance vont s'activer. Vos pouvoirs de voyance vont s'activer. Prince, attends, je te bloque. J'ai mis, je l'ai bloqué, ne te dérange pas. Aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus la souffre à vous. Hein. Souvent, je me demande que Jésus se sent comment. Quand il voit tous ses enfants, entre guillemets, les enfants de Dieu là. Hein? Ma chérie, mais je mérite seulement 80 000. La pauvreté, connexion à 2 balles. Oh. Pardon, ta connexion va finir, oh. N'écris pas trop. Je veux les héritiers à 200 000. Ta connexion va finir, boss les dit, pardon. Bonjour, la reine. Reine Christelle. Comment tu vas? Oh my gosh. Oh my gosh. Ça fait tellement plaisir de t'avoir. Comment tu vas? Pas que la connexion des pauvres finisse, pardon. C'est pour ça qu'elle fait les longs lives. Oui, moi je fais mes lives où je parle longtemps. Donc à partir de 30 minutes là, vos connexions, ça va finir, vous allez partir. Moi aussi je t'aime. Je pensais à toi ce matin. Hein. Je sais que tu as pensé à moi. Je pensais à toi ce matin. Et je sais que tu as pensé à moi. La reine Christelle Sarr officielle. Abonnez-vous à sa page, elle fait de la bonne musique. Thank you so much. Souvent, il reste comme ça, je mets ta chanson. Ça joue dans ma tête toute la journée. Je te veux. Ok. Vous m'avez suivi, non? Je vous ai dit que beaucoup d'entre vous, le mois de septembre, c'est le 9e mois. Vos pouvoirs vont s'activer. Merci beaucoup, la reine Christelle. Pour la raison, ça, tes dons de prémonition, connexion avec les anges, connexion avec les astres, tu auras une envie énorme et folle de t'habiller en blanc. Oui. Je pense quoi de lesbiennes? Je n'ai aucune pensée pour les lesbiennes. Ça ne me donne pas l'argent. Je n'ai aucune pensée pour les lesbiennes. Pourquoi je devrais penser aux lesbiennes? Penser à elles ne va pas me donner l'argent. Penser à elles, ça ne va pas m'aider à quelque chose. Tu m'as suivi, mamie. Ah, kappa, ça ne me donne pas l'argent. Vous me laissez. Souvent, vous venez ici, là, vous me donnez les noms des autres personnes qui font. Il dit que penses-tu de telle personne? Rien. 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 Le mois, ça va vous apporter du succès. Le succès. Le succès. Beaucoup d'entre vous, vos finances vont skyrocket. Skyrocket. C'est-à-dire, ça va percer le ciel. Ouais, regarde d'abord ta photo. Je vois d'abord ta photo sur ton truc que tu dis que te répand là. Tu es pauvre. Je parle pas avec les pauvres, monsieur. Même si tu dois me demander de me repentir, va d'abord avoir l'argent.
Je veux d'abord avoir l'argent. Je n'aime pas lire les pauvres. I don't like to read pauvres. I don't like poverty. Ok? Voilà. Vous avez beaucoup de succès. Certains, vous allez être sur les réseaux sociaux. Vos réseaux sociaux vont... Ouais. Vous devez beaucoup purifier votre maison. Je vois beaucoup d'entre vous, il y avait beaucoup d'énergie négative. Peut-être que tu es resté dans une maison où tu étais avec un homme, vous avez vécu ensemble, il est parti, il t'a laissé à la maison. Ou tu es resté dans la ville. Et... Oh! Son énergie est encore là. Donc, achète la sauge, les encens, purifie la maison. Ok? Yes, yes, yes. Ice cream so good. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Oh. Ding, 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 ding. Eh. Eh, que les ya. Hé, hé. La joie qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui là. Les gens du Gabon, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Oui, je vends la sauge. Il y a la sauge au Cameroun, à Libreville. Et il y a la sauge ou encore là, au truc, en Côte d'Ivoire. Yes, yes, yes. Ask him so good. Yes, yes, yes. Oh, oh. Ding, ding, ding. C'est pour ça que tu connais que l'argent arrive. L'argent n'aime pas la tristesse. Localise-moi, on ne vient pas supplier, c'est dans mon direct. Tu as compris. Mamie, c'est l'argent qui arrive. Moi, je connais, je peux sentir l'argent. Je peux flairer l'argent à distance. À des kilomètres. Beaucoup d'entre vous, pour ce mois de septembre, votre créativité va arriver dans une autre dimension. Tu vas rester comme ça là. Les projets que tu avais en tête depuis, mais tu vas te lever, tape, tu vas aller agir sur ça. Et je vois des gens qui vont recevoir des idées qui vont donner des millions d'euros, pas CFA, euros. Moi, je vais... Il y a une femme ici, là, tu vas rencontrer un homme. Dès que tu vas le rencontrer, il va devenir riche. Ce mois de septembre, toute la confusion que tu as traversée depuis les 8 premiers mois de cette année vont disparaître. Et quand tu vas rencontrer l'homme là, on t'a fait le rencontrer pendant sa période de pauvreté pour que tu testes son cœur. Et dès que tu vas le rencontrer, ça va même faire un mois ou deux mois, l'argent va entrer. C'est là que tu sauras que ça, c'est ma personne. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Woo! Yes, yes, yes. Oh, Seigneur. Quand je canalise les énergies, chacun entre dans mon corps avec sa part. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Tu vois quelqu'un que tu vas... L'argent va tellement entrer que tu vas danser. Annulation de dette. Annulation de dette. Yes, yes, yes. Il te restait encore 25 000 euros à payer. On dit, madame, votre reste d'argent à payer, c'est 5 000 euros. Il dit, waouh, 5 000 euros. Yes, yes, yes. Ask him so good. Yes, yes, yes. Hey! Pinky doll. Tu m'as fait quoi ce matin, Pinky doll? Oh, Seigneur. Quand je suis pas seul dans ma tête, qu'est-ce que je fais donc? Le numéro de Libreville, c'est le 074-18-0080. Yes, yes, yes! Maintenant, il y a une personne ici là que tu as dans ton esprit une énergie de culpabilité. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour vous côté amoureux ce septembre? Tu as une énergie de culpabilité dans toi qui te fait te sentir mal à cause de... peut-être tu as été en relation avec un homme qui t'a abandonné. Il est parti. Et tu as ce fardeau là. Peut-être que j'étais une mauvaise femme. Peut-être c'est à cause de moi. Gna gna gna. Donc ce mois-ci, le Seigneur va libérer ton énergie de la culpabilité. Et ça va permettre aussi qu'une nouvelle personne entre. Yes, yes, yes. Allez, dites ça. Yes, yes, yes. Ask him so good. Et je vois comment avec l'homme là, vous allez mettre ensemble. Yes, yes, yes. Des stratégies pour votre vie. Avant, tu étais le genre que tu étais
stratège dans tes relations, mais l'autre homme bousille à chaque fois. Maintenant, vous allez planifier votre vie. Je vois vraiment une relation à bénéfice réciproque. You need him, he needs you. Peut-être toi, la femme, tu avais déjà une certaine notoriété. Tu rencontres l'homme maintenant, il devient comme ton manager, je ne sais pas trop quoi. Ou bien, il avait déjà un peu d'argent et puis tu arrives, tu mets les stratégies pour qu'il ouvre ses canaux financiers. Yes, yes, yes. La promotion! Qu'est-ce que je veux? Promotion! Voilà, c'est la promotion. Votre champ va fleurir dans ce mois de septembre. Les choses que vous avez semées depuis, si tu attendais, tu ne sais pas, est-ce que le mois de septembre... Allez, écrivez yes, yes, yes! I feel so good. Yes, 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 yes. I feel so good. Bing, 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 bing. Allez, allez, allez. Bam, bam. Promotion. Vous allez devenir milliardaires ensemble. Toutes les leçons que tu as apprises dans les autres relations, tu vas les mettre en pratique. Tes efforts vont payer. Tu es dans une saison de récolte. Septembre aussi. Tu as aidé à travailler sur un projet de milliards. On avait bloqué depuis. On va t'appeler. Que c'est bon. On a libéré l'argent. Il faut venir. Oui. Changement de voie ce septembre aussi. En attendant que le projet la donne, tu es en train de faire autre chose. Maintenant, tu vas totalement changer de voie et te mettre à plein temps dans tes rêves. Allez, écrivez. Yes, yes, yes. I feel so good. Hey, hey. Yes, yes, yes. Oh. Pick it up. Allez. Je vais la taguer sur la vidéo aussi là. C'est même bien que la fille a compris le français. Yeah, eh, eh. J'ai enregistré ça n'a pas pris. Yeah. Wow. Heureusement que j'ai fait le direct. J'ai enregistré ça pour poster. Mais c'est pas la parole de qui c'était. Yeah. Ça n'a pas voulu prendre. Vous avez menti. Je vais mettre la vidéo sur en ligne. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations. He has done it for you. You will come back with a new song to sing. God is good. Yes, yes, yes. Ice cream so good. C'est bon, j'ai pu garder la vidéo. On va voir si ça va passer. Est-ce qu'on peut bloquer quelqu'un comme ça? Hein? Non, mais sérieux, hein? Je suis en train de voir les choses ici là. Il est presque fini. On va continuer. Les prédictions, c'est là, ça doit entrer. Les gens doivent voir ça. On va voir si ça va passer. Seigneur, mets-moi ça en ligne. Seigneur, mets-moi ça en ligne. On ne peut pas me bloquer comme ça. Yes, yes, yes. I feel so good. On reprend. Prédiction de septembre. Vous êtes prêts? Ennemi. Beaucoup de vos ennemis vont lire. Et en a parmi vous, vous avez le don de chamanisme. Ça va s'activer. Et je vois une personne ici là que tu doutais de toi. Tu doutais beaucoup de toi. Et tu restes dans ça, tu te dis, ah, moi je suis même qui, j'ai même quoi, qui peut m'aimer, et je peux soigner même qui, je peux conseiller qui, ça marche. Maman, le moi si là est... Tu vas dire, yes, yes, yes.
I feel so good. Hey. Et ton énergie de déesse va s'activer. Vous voyez l'énergie que j'ai ici là, vous aurez ça tous les jours. Tous les jours. Les chamans sont les personnes qui doivent avoir une énergie toujours au top. C'est pour ça que l'ennemi a beaucoup utilisé la tristesse, la lourdeur pour vous attaquer. Donc, l'énergie de déesse va s'activer. Yes, yes, yes! On feel so good. Beaucoup d'entre vous, vous avez pris du retard. Donc, il y a les choses que tu étais censé manifester et faire depuis janvier, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Ce mois de septembre, c'est comme si tu aurais une avalanche de restauration. Voilà encore les guérisseurs, les chamans. Votre don va prouver la voie en ce mois. Vous savez quand même qu'on bloque les guérisseurs, non? Les agents de lumière qui ont le don de guérison, là. Parfois, l'ennemi vous bloque. Même pas que parfois, il bloque toujours. Il ralentit. Il peut ralentir jusqu'à ce que tu meurs. Donc, faites attention. Ne vous dites pas que ça va venir de toutes les façons. Et vous êtes aussi très protégé. Yes, yes, yes! Tu es très protégé. Je vois quelqu'un ici là. Tu as une garde rapprochée spirituelle. Yes, yes, yes! Ouh! I feel so good! Bim, 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 je fais ma fête seule. Je m'anime seule. Oh! Même si vous ne le faites pas, je vais faire seule. Yes, yes, yes! I feel so good! Il y en a ici là où vous êtes des guides. Vous êtes des guides spirituels. Et on a bloqué votre intelligence. On a bloqué votre connexion, vos antennes. Yes, yes, yes! I feel so good! Donc, vous êtes en restauration. Ceux qui ont fait le rituel de la lune hier, ça a activé votre connexion avec les astres. Vous allez voir que vous aurez trop une sensation de « je sais ce que je dois faire ». Et avant, peut-être tu voulais faire plaisir aux gens autour de toi, mais ange terrestre. Yes, yes, yes! Woo! I feel so good! Il faut qu'on mette le nombolo dedans. Mm-hmm. On va mettre un peu le nombolo et couper, décaler. Vous êtes des anges sur la terre. Vous avez toujours aidé les gens à petite échelle. Maintenant, vous êtes en train de passer dans une saison de votre vie où ça va augmenter. Yes, yes, yes! Si vous ne voulez pas dire yes, 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 quittez de mon direct. Encore la guérison. Ce mois de septembre, toute la guérison que tu as accumulée, les traitements que tu as faits, tu vas maintenant pouvoir les passer aux gens. Je vois aussi quelqu'un ici là même que pour guérir, tu as dû apprendre comment guérir les gens. Tu t'es guéri. Maintenant, tu vas guérir les gens. Yes, yes, yes. I feel so good. Je vois aussi quelqu'un qui va enseigner. Tes dons d'enseignement. Tu es un maître spirituel, tu es censé enseigner les gens. Mais tu avais été très bloqué. Tu as même ouvert, tu as même commencé à lancer des trucs sur TikTok où tu enseignais. Après, tu étais attaqué, tu as perdu ton local, tu as perdu tout, tu as voulu abandonner. Yes, yes, yes! Oh my God! Ils sont en train de te redonner beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Oh my goodness! Reçois, reçois, reçois. Mets la main sur la poitrine. Reçois! Yes, yes, yes! You feel so good. Tu deviens comme un bulldozer. Tu écrases tout sur ton passage. Yeah, hop, you're not going anywhere. Il y en a ici, vous avez été très soumis à des gens. Soumission à l'autre, on vous dominait. Oh, I don't want to go there. Oh, I don't want to go there. Oh, I don't want to go there. Les femmes vont me fusiller. Je voulais être heureuse. Je veux avoir mon foyer, être heureuse. Je veux une petite vie. Je vis une petite vie. Les gens sont bloqués ma vidéo. Jesus is Lord. Ça veut dire que ce que j'ai lu là, ils n'ont pas vu. Jesus. Attendez. Il y a un message que donne de nos femmes. Yes, yes. Yes. Oui. Femme. On me dit.
dit que tu as passé du temps à te soumettre à cet homme. Ton énergie. Tu as des anges qui sont plus grands, donc que 6 étages. Et l'homme avec lequel tu es, souvent il se réveille le matin, il est très fatigué. Ce qui te bloque. Yes, yes, yes. L'homme là te bloque. Et tu t'es toujours soumis à sa famille, soumis à ce qu'on voulait de toi. Ce mois de septembre, c'est ton mois de libération. Je dois te l'annoncer. On m'a dit que je ne sais pas, les gens, mais bon. Ok? Tu vas avoir le courage pour sortir de là. Tu vas sortir, tu vas recevoir l'argent pour déménager, tu vas sortir de là. Et je vois quelqu'un que ton cœur est en train de se recoudre. Ton cœur se fortifie. On t'a insulté, on s'est moqué de toi. Et il y a même des déclarations. Je vois quelqu'un que tu veux faire ton bain de sel et parler, mais tu as peur même qu'on t'entende dehors. Tu as peur que dans la chambre, ils t'écoutent. Et ça, c'était des limitations ou des frustrations que tu avais. Ce mois de septembre, tu vas te relâcher. Tu vas pouvoir dire que je veux les immeubles. Alors que l'autre personne voulait seulement une maison avec 2 chambres. Je veux la Bentley. Je veux les jets privés. Je vois une personne que ton chakra de la gorge va s'ouvrir dans ce mois de septembre. Yes, yes, yes! On me dit de te dire que tu peux. Yes, you can. You can, you can. Yes, you can. Yes, you can. Une de mes petites qui sort avec un gars et elle dépense tellement sur son travail spirituel que je sais que cette fille sera, je peux dire, même milliardaire en France et femme. Mais son problème, c'est que la personne avec laquelle elle est, sa vision est très petite. Donc un jour, je lui ai dit vraiment, j'ai senti, j'ai dit waouh, tu peux pas être avec quelqu'un, tu investis sur ton travail spirituel, l'autre n'investit pas. Et il y aura un clash d'énergie. Il y aura un cash. On me dit, c'est vrai, il y a des jours, je veux partir. Mais il s'accroche beaucoup sur moi. Parce qu'il sait. C'est elle qui va le sortir de son pétrin. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Maintenant, ce n'est pas ton devoir. Ce n'est pas ton devoir. Ce n'est pas la mère de quelqu'un. Yes, yes, yes. Ok. Voilà. Bon. Arrêtez. Arrêtez.
C'est pas la folie de te dire que tu es appelé à aider, à sortir quelqu'un du trou. Et laisse-le dans son trou s'il veut rester dedans. Hein? Comme ça, tu vois, tu te sens bien. Yes, yes, yes. Ah, il est good. Dès qu'il t'appelle, tu es où? Tu fais quoi? Hein? Ouais. Tout ton yes, 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 là, ça finit. Tout le yes, yes, là, que tu avais en bouche ce matin, c'est fini. C'est le mariage, non? On va faire comment? Vraiment? Ah, l'homme Dieu, Dieu gogo là. Ah, l'homme Dieu, non. Dieu gogo là. Et? Oh, tiens, je me viens là. Go l'homme Dieu, non. Yes, yes, yes. Ma chérie, je te libère. Et je vous dis toujours que si tu meurs, on va t'enterrer. Tu me suis. Tu meurs, on t'enterre. Il continue de vivre, il pisse, il fait l'amour, il continue, il fait tout, il continue sa vie. Donc, comme tu crois, qu'est-ce qu'il peut faire sans moi? Yes, yes, yes! I feel so good. Je crois en lui. Je crois en lui, c'est l'homme de ma vie. On connaît nos noms comme tonton. Vous avez parlé des kits de désenroutement. Les kits de désenroutement sont disponibles, n'oubliez pas. Bon, on a terminé le direct, il ne faudrait pas travailler. Demain, on se retrouve à Makepe. Donc, on sera prêt à vous accueillir demain à Makepe. Yaoundé, ce sera dimanche. Je voulais bénir absolument vos enfants avant la rentrée. Donc, on va faire Yaoundé pour dimanche. Je vous communiquerai l'heure. Ce sera très probablement à 10h dimanche à Yaoundé. Donc ici, ça, on a Douala, c'est demain. Demain, Douala, oui, 10h. Makepe. Si vous ne connaissez pas là, ça se trouve, écrivez, on va vous dire inbox. Kit de désenvoûtement, c'est pour se désenvoûter soi-même. Bon, bye bye. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le Togo, Burkina, je vais venir au Burkina. J'ai dit que je venais le 9 ou le 10 au Burkina. Voilà. Monsieur TikTok. Vous êtes Madame TikTok. Yes. Yes, yes, yes. Tu es Anil Maurice. J'ai vraiment les gens qui attendent que je les consulte, c'est un peu. Si je sais que tu vas attendre, tu peux payer, tu attends dans la liste d'attente, s'il te plaît. Non, je ne viens pas au Gabon pour le moment. Je vais d'abord, je repars en Afrique de l'Ouest. France, j'ai fait combien? J'ai fait 13 ans en Europe. Il faut qu'elle fasse encore même. Je sais pas, j'ai pas envie de dire, mais l'Europe pour le moment.
Je n'ai pas encore attaqué le Sénégal. Ceux qui me suivent là-bas, on peut poster les produits. Je ne vais pas faire tout le monde en même temps. Côte d'Ivoire, j'étais là-bas avant-hier. Je suis revenu de Côte d'Ivoire hier matin. Quand je suis là, vous ne venez pas. Faut me laisser. Hey. En tout cas, mes gens viennent. Quand je suis en Côte d'Ivoire, mes gens viennent. Donc, je ne me plains même pas. Je vois toujours les bonnes personnes quand je suis aux endroits. Donc, je n'ai pas de soucis. Monsieur Yo, je crois que toi, tu aimes toujours mettre le désordre dans mes choses. On a fait le rituel d'argent hier. Ok? Il faut bien écouter mes directives quand je fais mes choses. Je vais pas donner un mot de tête le matin. Voilà. Je viens souvent à l'Ouest, mais quand il vient à l'Ouest, je ne consulte pas moi les gens. Les gens de l'Ouest, vous n'aimez pas payer, pardon. Le contact de Douala, c'est le 693. Donc prenez le numéro 237 680 plutôt. 680 71 0701. Je ne vous contacterai jamais. Si quelqu'un vous écrit, c'est que ce n'est pas moi. Et toute personne qui vous contacte, assurez-vous que c'est ma page officielle. Vous suivez, parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Quelqu'un est même parti prendre un numéro qui ressemble à mon numéro. Il ne sait pas comment il a fait, mais il a fait. Il y a un seul chiffre de différence. Parce qu'il voulait avoir un numéro qui ressemble au mien. Il dit aux gens que c'est Emily, mon mari. Celui qui n'a même pas les abdos, celui qui a un gros ventre. Quand il a entendu sa voix, il a la voix des gants qui a le gros ventre. Si tu m'écoutes, toi qui as le gros ventre, qui dis que c'est mon mari là. Je ne sors pas avec les hommes qui ont le gros ventre. Tu arrives devant un homme et je te dis que c'est lui mon mari. Tu vois son gros ventre, tu dis que je imam, que ce n'est pas ma personne là-bas. Vous avez suivi, non? Parce qu'il y a beaucoup d'anacœurs ici dehors. C'est ma femme, on travaille ensemble. Donc soyez très prudents. Ils ne sont pas avec les hommes qui ont le gros ventre. La seule personne dans notre relation qui est permis d'avoir le gros ventre, c'est moi. Oh là là! Non, je ne suis pas ça dans ma tête. Ça me plaît jusqu'à. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me plaît. Oui. Si vous êtes intéressé pour Yaoundé, vous écrivez. Donc d'ici maximum 13 heures, je connaîtrai le local pour Yaoundé. C'est ma femme, on travaille ensemble. Même sa voix d'abord. Dans la voix de quelqu'un, tu peux savoir. Moi, je sors avec les hommes qui ont peur de parler. Non? Dans sa voix, regarde comment elle parle là. Tu vois qu'un homme, vous-même là aussi, on vous arnaque pour rien. Coucou ma chérie, vraiment il faut qu'elle travaille sur toi. Et on dit que c'est moi, lui quand tu pars, tu donnes l'argent. Hmm? Demandez, quand vous écrivez à la secrétaire, si vous doutez, dites que vous voulez me parler. Je vais vous appeler, vous allez voir. 680-71-0701. Donc 237-680-71-0701. Je n'ai pas les conseils pour la rentrée scolaire. Vous me laissez. Vous aimez trop ça. Conseil, conseil. Tout gratuit, gratuit, gratuit. Gimme, gimme. On jeûne 3 jours. On jeûne 3 jours. Je vous le précise juste. Aujourd'hui, demain et après-demain. Si tu ne peux pas tenir jusqu'à 15h, tiens à midi. Ou bien tu tiens jusqu'à 15h ou bien tu fais 18h. 6-15, 6-12 ou 6-18h. Bonne journée à vous tous. Écrivez, on va vous répondre. J'ai les secrétaires qui sont en train de répondre aux messages. Yes, yes, yes. I feel so good. Bye bye. Facebook, mes fidèles, mes fidèleurs. Yes, yes, yes. I feel so good.
Bon.